Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui j'emmène Pam et ma faire leur vaccin, donc je vous emmène avec moi. C'est parti! Qui a fait caca dans la cage? Pam, c'est l'heure d'aller chez le docteur pour le vaccin. Je vais chercher une autre serviette pour courir. Voilà, tu te prépares? Bon, le plus compliqué, ça va être de ramener Mav, Maverick, toi aussi. Chut. Tranquille. Allez, le déstress, on va là-dedans avec Pam. Voilà. Je ne sais pas content, mon chéri. Allez, hop, tranquille. Allez, je vous mets des croquettes pour déstresser. Ok? Tiens, Marmav. Marik. Pas mal sans fiche, elle mange toutes les croquettes. Vas-y, Pam. T'en veux pas? Ouais. On y va. C'est rien, c'est juste le vaccin. Alors oui, ne pas oublier les carnets de santé. À chaque fois, j'oublie. J'en ai trois parce que j'avais perdu celui de Pam pendant plusieurs mois. Donc j'emmène les trois, on verra bien. Ouais, celui-là, ça devait être l'ancien parce qu'il n'y en a qu'un. Donc là, normalement, on va faire juste le vaccin de la Mixo. Non. Non, là, on va faire normalement le vaccin du VHD2, Filavac, qu'on aurait dû faire en janvier déjà. On est en retard. Le prochain, c'est au mois de mai. Donc on verra ce que va nous dire le veto. Je prends tout ça. Je résiste pas à l'envie d'y aller avec mon sac Pam et Mav. Hop. Et c'est parti. Y a plus qu'à aller, chérie. On y va, tranquillou. Hop. Est-ce que vous êtes bien calé là? Voyons voir. Oh, ça bouge pas. Allez, ça va les Michou. Ça va aller. Hop, on est arrivé. Attends, c'est coincé. Ça va? Ça va aller, mes chouchous? Ne stresse pas trop, Mav, ok? C'est juste une petite piqûre. On va découper les griffes, tout ça, ok? Ciao! Thank you.
tranquille, tranquille. Bon bah voilà, c'est fini, c'est fait. J'ai fait les vaccins. Le vétérinaire alors a bien coupé les ongles. Par contre, en coupant les ongles de Maverick, il a un peu saigné, enfin un peu pas mal saigné. Il lui a coupé un peu trop court l'ongle, donc j'étais un peu embêtée, mais bon. Déjà que Maverick il était super stressé, il venait dans mes bras, c'était trop mignon, il se collait à moi, il me montait dessus, alors que d'habitude il a tout le temps peur de moi. Enfin, il a pas complètement peur de moi, mais je veux dire, c'est dur d'avoir des contacts avec lui, et là il était trop mignon, quoi, il venait vers moi pour se réconforter. Donc le fait de lui avoir coupé trop court la griffe, ça l'a encore plus stressé, le pauvre. Mais bon, ça a été, il a fait vite, le vaccin, on l'a pesé, donc ça va, il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop gros. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Pam, elle a été nickel. Bon, pareil, elle venait se mettre dans mes bras, elle venait sur moi pour se rassurer, c'était trop mignon. J'aurais bien aimé vous filmer, mais je pouvais pas, parce que fallait que je tienne les lapins surtout, et il n'y avait personne pour filmer. Mais ils étaient trop chauds. En tout cas, je suis contente, c'est fait. Je vais pouvoir les sortir dehors maintenant dans le jardin sans souci. Et puis voilà. Maintenant, on rentre à la maison. Il faisait une chaleur dans la clinique, c'était horrible, quoi. Je suis en sueur. Alors, je ne sais pas si c'est le stress que j'avais pour les lapins, si je prenais tout leur stress ou s'il faisait vraiment chaud, mais je dégouline de sueur. On n'est qu'au mois de mars. C'est fou. Allez, on rentre. Ça va, mes chouchous, pas trop stressés? Tu respires vite, ma. Vite, vite, on rentre à la maison, on est arrivé là. Ok? Tranquille. À la maison, on fera un gros dodo. Oh, il t'a fait pipi? C'est pas grave. Mon pauvre chouchou, il y a du sang partout. Je suis un peu déçue. Que c'est censé être un super veto. Il lui a coupé l'ongle trop court. C'est la base pourtant. En plus, Mav, il a pas trop bougé. Il a été sage. Oh, moi, chérie. Ah, mon bébé. Oh, t'es tout taché de sang, mon pauvre chouchou. Ça va, ça saigne plus? Viens. Tiens, mon amour, t'as été super brave. T'as été super courageux. Un peu peur, mon chéri. Tiens, de les cloquettines. T'inquiète, je vais plus t'embêter, là. Tu peux rester tranquille. Oh, mon amour. Là, papa toute rouge. Qui respire super fort. Bon, chéri. Ça va aller, bébé. Maison en sécurité. Et Pam, comment ça va? Toi, ça va, ma chérie? Tu t'es remise? Bon, oui, toi, t'as peur de rien, toi. Toi, t'es une grande fille. Allez. C'était vite fait, quand même. Donc, au final, on a fait refaire le fil à vac pour le VHD2. Et il faudra refaire la Mixo et le VHD1 au mois de mai. Ça nous a coûté 140 € pour deux vaccins. Ça coûte super cher, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Et ça sera rebelote au mois de mai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de bien faire vacciner vos lapins. Faites-moi savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !